te dois une fière chandelle, t'es venu en retard, mais... Attends, viens ici ma piche, viens ici, viens ici. Cadeau. Ah ouais, hein. Et oui, le déodorant Axe. Le déodorant Axe, c'est plus fort que toi. Ah oui, de nos jours, enfin de cette époque-là, plus besoin de chirurgie plastique pour se refaire les tétons quand t'as pris une morsure trop violente, un petit coup de spray, hop, la peau elle repousse. Voilà. Donc, c'est Darth Vader Alex Vesca pour la suite de ce Resident Evil 5. Yosh. En mode sexy et en mode. Gros bourrin. Gros babou. Donc. Enjoy, enjoy, enjoy. Je vais essayer de changer d'arme un peu pour changer, pour essayer d'avoir une précision. Ah, sache que t'aimes pas. Pas ça, j'étais tout seul. Ah ouais, j'étais tout seul. Ah merde. Cœur crépon, cœur crépon. Des balles, des balles. Pff, pas besoin. Dire qu'avant on se battait, enfin on se battait, on essayait de préserver ça. Maintenant c'est limite si on s'en branle quoi. Ouais. Ah. Il faut que je monte parce qu'il y a une clé en haut. Et l'échelle est cassée. Le pire, j'ai même pas besoin de prendre la clé à la base. Et merde, je ne suis pas assez grand pour sauter. Par contre, t'as assez de muscles pour me balancer. Tel un vulgaire morceau de papier. Coucou. Bon bah y'a une clé là-bas, allez on y va mon crissounaire. Eh putain, y'a un keuf chez moi là. Au revoir madame. Oh, regarde, ça chante sur un blanc. Un blanc que ça chante sur un blanc. Crève. Oh putain, ouais, vas-y, remboursé, remboursé. Tiens, dans le pied, t'es mort. Faut aller où, là? T'es où? Faut aller avancer. Tu as la petite échelle, là, où faut que je monte dessus. Oh, bonjour. Hey, ils ont emmené la fille. Quelle fille? T'as pas vu, il y avait la fille. Tu veux pas me dire que... Que gros bourrin il est pas assez grand pour n'importe quoi pour s'agripper à l'échelle qui arrive à sa tête. Et moi je te dis, je joue pas, j'ai pas de son là. Vous jouerez du son, mais moi j'entends rien, je joue sans son. Oh, le triple. Faut que tu me dises s'il y a un zombie près de moi, hein. Moi j'entends rien. Hein. Et là, et monsieur, là, oui, au revoir. Coucou, de retour. Je t'ai manqué. Surtout, c'est parti. Je sais très bien ce qui t'a manqué, gros pervers. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Oust. Wow. Et toi, t'aimes pas les gros calibres? Allez, là. Non, je préfère les grosses flèches. Hop là. T'inquiète pas, flèches, au niveau de la flèche, je suis une... Au niveau des flèches, je suis une pointure. Et je peux me permettre un petit trait d'humour. Ça, si on te prend pas pour un raciste sur la vidéo, là il y a un problème. Pourquoi? Un petit problème, si je peux me permettre une pointe d'humour. Ah, mais c'est bon, oh, on peut plaisanter avec tout. Bah, pour moi, je peux plaisanter avec tout, hein. Tu sais. J'ai déjà vu des sketchs sur les Martiniquais et tout. Oh, la belle blonde! Oh, c'est con! Tu crois qu'elle est lesbienne? Non, mais c'est une métalleuse. Dire que tout le monde pensait à l'époque c'était Sherry Birkin. Qui est Sherry Birkin? Une petite gamine qu'on devait se trimballer dans Resident Evil 2. Et c'est la fille du gars qui a créé le virus G en fait. Donc on avait envie de la tuer. Oh là là, j'aime bien quand tu te mets accroupi. En plus j'ai les cheveux plaqués là comme un playboy. Dans mes bras. Eh, hey, tu fais pas mal, j'ai des clous sur les épaules. Ça dirait de me sucer les clous. Oh, hey Chris, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu lui fais? Ça va? Elle s'accroche à moi! Oh mon dieu, regarde-moi! Roule-moi une pelle, chérie! Une pelle, hein? Je vais rouler une pelle à cette gamine! Et t'imagines là, t'es tranquille, d'un coup t'as une meuf qui fait ça, qui fait roule-moi une pelle, chérie! Voilà, problème réglé! Un peu plus! Bonjour monsieur. Non désolé, c'est la fondation IKEA ici, s'il vous plaît, veuillez sortir. Allez, casse, ben il a fondu. Après je prends des balles, j'avais pas envie de prendre des balles. Bonjour messieurs. Oula. D'accord, toi t'as pris cher. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cher. Parce qu'il y avait un mec derrière toi. Ah bon? Ici Cheva, bien reçu.
magnifique coopération. Tu vois, un zombie, ça doit mourir en une balle, tu vois. On est déjà plus dans le roleplay. On doit crever, nous aussi. Hein. Une morsure, tu vois. Ça... Là, c'est... Come on. Putain, mais quel beau gosse. Il aurait pas eu ce gros carré derrière lui. Ça aurait été un vrai beau gosse. Fallait acheter une arme plus puissante. Fallait améliorer une arme plus puissante. Ouh. Bon, on passe. Je fonce. J'ai entendu un monsieur qui crie très fort dehors. Ça donne pas envie d'aller. Moi, j'aurais pris la fuite. Oh putain. J'aurais pris la fuite, mais c'est moi ici, la petite africaine. C'est moi qui dois prendre l'accent africain. Africaine, on va dire. Il est tombé devant moi, lui. Une afro-américaine, restons dans. Poli, hein. Restons. Ouais. Après, on va se faire porter plainte par des associations. Bah, si on porte plainte, c'est que c'est des racistes et tout. On va se faire. Exporter en Amérique, tu sais. Et après, tu vas entendre. J'ai entendu un outrage sur Internet fait par des Français. J'ai vécu. Des Français, mais c'est toi le Français ici, c'est pas moi. Et un Belge très pervers en plus, pas bien ici, ça. Ouais. Parce que je suis le nez colossal pervers. Putain, mais. Fabrique, hein. J'aime bien voir le. Comment dire. La cinématique pour voir mon personnage sans son gros truc là. Ah, mais. C'est la limite entre le sadomasochisme, le gothisme. Et le métal. Et le métal, tu vois, c'est un savant mélange. Genre, je sais pas, les clous, ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu gothique. Tu te rends compte, on va aller voir notre ami. Tu te rappelles de lui? Tronçon Man? Non, Spaghetti Man. Spaghetti Man. Ah ouais! Attends, je prends une arme appropriée. Ah, il faut une clé, là, je veux, ouais. Je vais voir les connes, hein. C'est pas dit, il y a un gros calibre, tu vois, c'est... C'est qui par terre, il va se lever? Bonjour monsieur. Ah oui, celui qu'il faut cramer là. Ouais. On peut le tuer autrement que par le cramage. Ouais. Avec un lance-roquette. Bon, on le fait comment? On le fait sérieux ou... Non, on le fait pas sérieux. On est là pour rigoler, on est pas pour se faire chier. Ok. Oh ben... Tu peux aller invoquer ton petit... polisson. Ouais, ah. Vraiment, t'es juste derrière et hop... Téléportation. Ouais, Shiva, ouvre-moi cette porte. Ah oui, tout de suite, mon crissounet. Bah attends, tu sais quoi, tu vas mourir. Elle était dans mon cul. Bizarre, c'est moi qui l'avais, c'est toi qui l'ouvre. Elle était dans mon cul, je sais pas d'où il a sorti, il a pas de t-shirt. t'as tes règles aujourd'hui? Non. Mais putain, les règles sont noires et abondantes. Je sais pas. J'ai le temps de colorer, je vais me taire, je crois. Je vais arrêter. Je crois que c'est un enfant Wesker, à mon avis c'est un bâtard, il a été renié. Oh regarde-moi ça, oh, on a des flingues mais pourtant on les a pas dans l'inventaire. C'est clair, j'ai toujours jamais compris pourquoi. Bon allez, on les tire dessus ou... Non, on se casse Chris, allez vite, fonce ma biche. Attends, moi j'ai une grosse gatlingue. T'es prête ma biche? Attends, mais me gâche pas tout le coin. Hein. I'm ready for the battle. Les gars, je crois pas qu'il va faire l'enfeu, tu vois. Oh punaise. J'ai rien dit. Allume le fou. Allume le fou. Oh putain. Allume le fou. Et attends, je vais mettre la carte. Je me suis. Et... Les chicots. Comment? Oups, je crois qu'il va me faire un canatory là. Vas-y, fais-le venir. Vas-y, recule, je vais tirer sur la bonbonne, fais gaffe, hein. Je savais que t'avais toujours eu envie de me buter, là. Eh, punaise, c'est quoi ton bruit? Ah, voilà. Voilà. Problème réglé. C'est beau, c'est un squelette. Tu veux un kebab ce soir? Ah, je crois que c'est bon. La sorte de sauce tartare noire, c'est ça? Du piment noir, ça. Ça vient du plus profond du Zimbabwe.
Bon, arrêtons avec le mot noir parce que ça va faire polémique. Non, mais de toute façon, moi j'ai le droit de dire noir, hein. J'ai même le droit de dire négro si je veux chez une Martinique. Donc, tu vois, toi, t'en prendras pour un racisme, on prendra pour un patriote. On prendra pour un patriote. T'es aussi noir que Dieudonné jaune. Dieudonné chinois ? Par son oncle ? De toute façon, mon petit Chris, de toute façon, Dieudonné se moque de tout le monde. On peut rigoler de tout. Peu importe la couleur de peau, mon fils. Attends, il a fait un sketch sur les racistes anonymes. Il clashait autant les Chinois que les Noirs, que les Blancs. Les musulmans. Que tout, surtout les Juifs. Bizarre, ça. Ah, la mission est terminée. Et voilà. En moins de 15 minutes. Et bien sûr, hein, XBSK toujours number one avec un grade S. Hein. Oui, quand on tire à l'arc et quand on tire à la gatlingue. Qui est aidé de tirer à la gatlingue aussi. Je crois que j'ai l'enlevé. Bon ben, je vous dis à la prochaine pour la suite du chapitre. Ouais, allez, à tout le monde. Ciao, bye.